Salut tout le monde, c'est Mighty Gra pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine un peu spéciale, un peu particulière. Il s'agit donc du Pégase V1 Recolo, donc en mode OCE Original Color Edition pour Recolo, en version 30e anniversaire. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'un Pégase première armure dans une recoloration bleutée, tout simplement gris-bleu. Tout simplement. Donc une figurine qui, pour la plupart de la communauté, n'a pas d'intérêt, et je comprends tout à fait ces gens. C'est une figurine que vous pouvez aisément réaliser via custom, etc., et ne pas forcément débourser une somme astronomique pour pouvoir vous la procurer. Donc une figurine qui n'a pas vraiment d'intérêt pour qui ne recherche pas la pièce ultime de la collection. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous présenter cette figurine. On va découvrir un petit peu les intérêts quant à cette figurine, tout simplement. Alors, moi, j'ai acheté cette figurine. Déjà parce que j'achète tout, vous me connaissez. Parce que je mourais d'envie de vous présenter cette figurine lors d'une preview, ce que je fais aujourd'hui. Mais alors, je rêvais également d'avoir cette figurine parce que j'ai fait réaliser, il n'y a pas tellement longtemps, le Ikki V1 en version custom par mon ami Chris Selicar. Donc, c'est une version du Phénix qui est sur mon temple de la Vierge, souvenez-vous. Et je m'étais dit, tiens, ça donnerait vraiment bien d'avoir le Seiya en version OCE également. Et voilà, chose qui est faite. Donc je me suis procuré cette figurine de même que les autres figurines OCE Chevalier d'Or qui iront rejoindre plus tard donc, les fameux décors du Temple des Lions et de la Vierge. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. On va d'abord se focaliser sur cette figurine. Alors, au niveau du boîtier, rien de spécial, un très beau boîtier blanc avec pas mal de brillance dessus, il est très très beau ce boîtier. Évidemment on a un surcarton qui vient dessus, mais pour la vidéo je l'ai déjà retiré pour gagner un peu de temps. On va directement visiter le blister et voir un petit peu ce qu'il contient. On a donc un premier blister avec une chevelure là-bas pour le casque. On remarque tout de suite que les yeux sont rouges, contrairement en version OCE. Alors, voilà, on a pas mal. Voilà, c'est une armure très très bleutée, corps blanc, obligé hein, pour une version OCE. Mais on a des yeux rouges, donc c'est vraiment une version unique. Voilà, ça c'est le premier blister. On va passer au second blister. Et là, on a le plastron, la ceinture, les ailes. Et on a cette partie qui vient sur le bras du personnage et qui sert notamment la version OCE du personnage. On la mettra cette fois-ci. On peut remarquer donc que nous n'avons qu'un seul visage. Bandai a été assez gourmand dans ce blister qui coûte très cher et nous a procuré un seul visage. Qui coûte très cher, attention, petite polémique là-dessus. La figurine ne coûte pas si cher que ça à l'achat. C'est-à-dire qu'au Japon, lors du salon, les figurines sont vendues à un tarif tout à fait raisonnable. Ce qu'il y a, c'est que ce sont les vendeurs qui se procurent les figurines et qui font une marge bénéficiaire énorme sur ces figurines, tout simplement. Alors aujourd'hui, en France, en Belgique, en Europe, il est très 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 difficile de trouver cette figurine en dessous des 200 euros. Très très difficile, de même que pour les autres versions OCE. C'est un peu dommage de faire de la mid-close une figurine qui n'est plus du tout accessible au commun des mortels. C'est un peu dommage. Voilà, ça limite fortement le champ d'action des collectionneurs ou tout simplement des fans qui désirent se procurer une figurine à un tarif normal. Alors, au niveau du mode d'emploi, rien de spécial. Rien de spécial, un mode d'emploi super bien fait. Alors ici, on retrouve la petite pièce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sert de manga, qui vient recouvrir le bras. Donc on la voit en jaune ici. On la mettra, je pense que c'est une sorte de bouclier. On verra ça ensemble. Je vous propose de monter tout de suite au montage, de passer tout de suite au montage, en prenant immédiatement la figurine en main. Voilà, je l'ai enfin en main, ce fameux Seiya. Enfin, enfin, enfin. Voilà. Alors, un personnage rigide, très très bien fait. Les yeux rouges sont du plus bel effet, regardez. Magnifique. Ça lui donne un petit air un peu plus sauvageon, on va dire. Plus adulte, hein. Regardez, on va essayer de lui donner déjà une petite pose comme ça.
juste pour dire de faire quelque chose avec. Voilà. On a déjà quelque chose d'un peu sympathique. Voilà. Alors, on va pas traîner, on va s'attaquer directement au montage de la figurine. C'est quand même le plus important dans cette vidéo. Voilà. Je vais tout de même ouvrir le manuel à côté de moi, même si la figurine n'est pas du tout difficile à monter. Mais pour éviter les mauvaises surprises, je vais tout de même utiliser le mode d'emploi. Alors, je commence par les cuissardes. J'enchaîne directement avec la genouillère. Il fait très très chaud, on avoisine les 30 degrés chez nous. Donc ça va être quelque chose, j'espère ne pas avoir trop chaud, ne pas trop transpirer pendant le montage de cette figurine. Il fait très 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 chaud. Alors, pour la couleur, c'est bien un bleu, hein. Donc on est plus sur du bleu que sur du gris en fait, hein. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu daltonien, donc je peux éventuellement me tromper quant à la teinte du personnage. Mais je vous invite à me le dire si vous estimez que je me trompe et que c'est plus un gris qu'un bleu. Hein. Donc voilà, je suis très content aujourd'hui de monter cette figurine. Je suis très 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 content. Je l'attendais vraiment avec impatience. J'avais vraiment perdu espoir quant à pouvoir me la procurer à un tarif intéressant. Vous voyez, je transpire énormément des mains. C'est très difficile de mettre les pièces. Voilà. Ah non, voilà. Attendez, hop. Les joies du direct. C'est la première fois qu'une genouillère me donne autant de mal. Un petit instant, je vais vous prouver que c'est bien du live. Je vais utiliser du sopalin pour m'essuyer les mains. Voilà. Voilà, je vous prouve que c'est bien une vidéo en live. Mais j'ai énormément de mal à faire entrer cette genouillère. Et c'est tant mieux. Ça évitera qu'elle ne saute. Voilà. Même chose. Voilà. Les deux premiers pieds sont mis. Et voilà qui est fait. Déjà dans un premier pas. Alors, je m'éponge un petit peu le front tel un chirurgien en pleine opération. Ce que je vous garantis, il fait très très chaud. J'ai relevé 32 degrés tout à l'heure au thermostat. Donc pour faire un montage de figurines, je ne suis pas tout nu, je vous rassure. Mais c'est très 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 chaud. Alors, on va attaquer le premier bras. Voilà, comme ceci. Et on va tout de suite enchaîner sur la première main. Alors, en ce qui concerne la main, je vais tout simplement m'orienter vers un point fermé, voilà, sur lequel je vais venir mettre cette petite pièce, bien sûr, recouvre-main. Je vais mettre le point comme ceci. Voilà, regardez ça, cette brillance. Regardez ça, cette brillance, c'est très 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 beau. On va mettre tout de suite l'autre bras. Voilà. Et on va également aller rechercher un point fermé. Je n'ai pas envie de faire une pose d'attaque pour ce personnage. Je vais plus me baser sur une pose vraiment très, très décontractée, très à l'image même du personnage, très sobre. Voilà. Je vais plus me baser sur une pose comme ceci. Pour une fois, je vais vraiment faire ressortir la beauté du personnage. Faire vraiment ressortir le charisme de Seiya. Regardez, ça commence à prendre forme. Beaucoup de brillance. Nous allons donc maintenant tout simplement attaquer le plastron. On va relever les bras pour ceci. On prend le plastron. On l'ouvre par l'avant. Voilà, raison pour laquelle la petite pièce a sauté. On l'ouvre par l'avant et on vient placer le plastron comme ceci. On vient remettre la petite pièce que voici. Sur. Alors.
comme ceci. Attention, cette petite pièce ne tient pas très fort. Je remarque qu'elle a tendance à bouger très fortement. N'hésitez pas à mettre un peu de pâte à fixe si vous voyez vraiment que la pièce ne tient pas du tout. Hein. N'hésitez pas. Hein. On va mettre la ceinture. Vous voyez, le personnage est presque monté. C'est vraiment un personnage très facile. On va retirer la petite pièce sur l'avant de la ceinture. Très doucement, vous voyez. Voilà. On va écarter la ceinture. On va lever les bras un petit peu pour ne pas être embêté. On va venir mettre la ceinture dans la petite encoche derrière. C'est une figurine qui est vraiment basique. Hein. Vous pouvez aisément vous passer du mode d'emploi. Vous pouvez franchement vous en passer. Hein. Et on vient remettre la petite pièce sur l'avant de la ceinture en serrant bien la ceinture. Voilà. On a cette petite pièce qui est montée. Il nous reste donc les épaulettes. Petit clip très simple, regardez. On vient la fixer par le dessus. Très 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 facile. Hop, voilà, regardez. Il nous reste le visage à placer. Regardez, on a déjà un beau petit résultat. Hein. Très 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 joli. Alors, on va donc se baser sur le seul et l'unique visage, bien entendu, mais casqué. Donc on va retirer la chevelure avant. On va se baser sur les cheveux qui sont tout simplement troués. Et on va donc retirer l'arrière de la chevelure qui ne rentrera pas dans le casque, bien entendu. Donc on va venir chercher la pièce que voici. Cette pièce qui vient donc s'enfoncer comme ceci dans sur le visage. Voilà, c'est l'arrière de la chevelure en fait. Hein. C'est l'arrière de la tête. Donc, il faut forcer un petit peu. Voilà, c'est rentré, regardez. Ensuite vient l'autre partie qui vient s'enfoncer sur l'avant, comme ceci. Voilà, très très beau résultat, regardez. Il est très très beau. Et ensuite, je m'éponge encore une fois les mains. On a une chaleur, les amis, c'est intenable. Je ne pouvais malheureusement pas attendre le week-end pour vous présenter cette figurine. Je tenais absolument à vous la présenter maintenant. C'est la raison pour laquelle vous voyez vraiment le live. Et pour le casque, bien, tout simplement, il faut retirer la partie. Il faut le démonter pour pouvoir l'appliquer sur le visage. On retire le dessus. On écarte les côtés tout doucement. Et on vient placer les côtés comme ceci. C'est bien ça? Non, ce n'est pas ça. Voilà, comme ceci. Bon. Attendez. Oui. Je ne sais pas trop. C'est la partie un peu compliquée. Je pense que les cheveux, je vais devoir les placer après, en fait. Je vais d'abord devoir mettre la première partie du casque. La seconde partie. Oh, bonne question, hein. Voilà. Comme ceci. Et puis, seulement venir mettre le casque. Les cheveux, peut-être, qui vont venir au-dessus, peut-être. Voilà, oui, les cheveux viennent au-dessus du casque de toute façon. Hein. Et enfin, la partie supérieure qui va venir refermer l'ensemble. J'espère que vous voyez bien au niveau de la vidéo. Je suis assez concentré sur ce que je suis en train de faire, donc je ne peux malheureusement pas regarder trop la vidéo, trop ce que je suis en train de filmer. Et voilà, le casque est monté. Donc première chose, mettre les deux côtés du casque via la chevelure, et ensuite vous venez appuyer le casque tout simplement
le dessus du casque. Vous enfoncez la tête. Et voilà le résultat. Et voilà le résultat d'un Pégase V1 OCE monté. Mais évidemment, on va peaufiner tout ça. On va lui mettre cette fameuse pièce typée manga, hein, donc cette fameuse pièce qui, a priori, vient se clipser sur son avant-bras. Voilà. Comme ceci. Et qui n'est autre qu'apparemment un bouclier. Hein. Une pièce bien typée manga. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette pièce en avant pour bien montrer la version manga de la figurine. Donc c'est comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Voilà, on a une pose très simple. On va relever un peu le point. On a une pose très simple. Dans un premier temps. Très beau visage. L'armure est vraiment de toute beauté. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à rester connecté. Je reviens dans quelques secondes avec la pose définitive du personnage. A tout de suite, les amis. Me revoici donc dans la deuxième partie de la vidéo pour la pose devenue définitive du Pégase V1 Original Color Edition en version 30e anniversaire. Alors, le choix de cette pose n'est pas anodin. Je vous explique. Ce personnage va être placé sur le décor du Temple du Lion. Ce personnage va être placé sur la droite d'Athéna, afin de mettre un personnage de type bronze avec les autres chevaliers d'or. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour vous rendre compte pourquoi j'ai donné cette position à ce personnage. A tout de suite, ne quittez pas. Nous revoici donc dans la troisième partie de cette vidéo, où le personnage est placé en vitrine. Et vous vous rendez compte que la pose n'a pas bougé d'un millimètre comparativement à sur mon bureau au moment du montage. Voilà ce que je voulais donner. Voilà ce que je voulais faire au niveau du posing du personnage. On a une Athéna en King Model juste là à côté. Et je voulais absolument mettre le Pégase dans cette position pour éviter, comme pour le chevalier du lion, d'avoir les pieds dans le même sens. Donc j'aime les croiser au niveau des pieds, ça évite d'avoir tous les personnages dans le même sens. Donc voilà, regardez un petit peu comme la couleur ressort, comme cette scène est magnifique. On a un Pégase V1 qui veille sagement sur la princesse Athéna. Voilà, la version du Gemini juste à gauche en version OCE est une version Estemple. Voilà, je ne sais pas si elle avait déjà été filmée auparavant, je ne pense pas, je pense que j'avais fait des photos. Mais voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Regardez-moi ça, si ça c'est pas classe. Ça rentre en accord avec la version Dicky juste en dessous avec le temple de la Vierge, sur lequel vont être placés le Sagittaire et le Poisson version OCE. Donc voilà, voilà pour moi au niveau du Pégase. Alors, mon avis personnel, c'est une pièce magnifique, mais que vous pourrez aisément refaire en version custom. Par contre, pour les yeux, ce sera un peu plus compliqué parce que les versions OCE, mis à part une recolo, comme beaucoup savent, les yeux sont différents également. On a des yeux qui sont plus ouverts, on a des yeux qui sont plus dessinés. Donc là, vous risquez d'avoir quelques petites différences. En tout cas, moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfait de cet étage. On voit vraiment la couleur du Pégase ressortir. Et pour moi, c'est un parcours sans faute. Au niveau de Bandai quant à la recolo de cette figurine et la petite pièce manga qui vient recouvrir le bras, qui est bien mise en avant. Voilà, je suis très 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 content. Alors, c'était Mighty Gra pour la vidéo de présentation du Pégase V1 en version OCE. Je vous donne à tous rendez-vous très bientôt pour la version du Poisson version OCE 30e anniversaire. Salut les amis, à ciao ciao. Oh,
どうだ地獄を見た感想は